1 pour... Bon. Salut les clambins. Alors ça va, ça gaze, hein? Oui, je vais se regarder. Ça gaze les gars qui voulaient me tuer. Il y a longtemps, ils s'en sont fait. Et c'est elle qui a bâti ça. Ouais, bon, ça va. Toi, t'as quelque chose à dire? Tu as déjà vu l'extérieur de l'île? Non. Elle faudrait où? Je sais, tu m'as déjà aidé. Bon, vous avez rien d'autre Rien d'autre que ça à dire, en fait. Toi, qu'est-ce que tu veux dire? Il y a une sortie dans ce labyrinthe, hein? Jamais. Gros rocher que je viens de bouger. Je viens justement de bouger, il y avait des... Il y avait vous en ninja, justement. Mais Jen... Hey, c'est la vieille mamie. Oh, Jenka, la vieille mamie. Mais ce n'est pas par haine. Même chose, nous sommes dans ce labyrinthe pour protéger quelque chose. Nous ne sommes plus trop en bas, mais peu importe. En gros, vous êtes là pour nous tuer. Alors que nous, on demande seulement à sortir d'ici. On remarche après ça. Bien sûr, il faut juste ailleurs dans le labyrinthe, n'est-ce pas? Exactement, c'est d'ailleurs si tu veux bien entrer. Je te laisse après toi. Bon. Eh ben... Bah, Curly, t'es où? Oh... Oui, t'es là. Bon, viens Curly. On va se... Voilà. Tout est dit. Oui. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Oh mon dieu. En effet, c'est le début des épreuves qu'il y avait dans la suite. Et c'est des petits avec leur maman. Et les petits attaquent si on tue leur maman. C'est ça, Curly? Ok, elle est en train de complètement se noyer. Et un la fou. C'est ce que je dis. Elle est bien dans son petit bain, dans sa petite piscine. D'ailleurs, c'est vachement chaud. Un petit moment, j'ai bien profité de la piscine, même si j'avais un peu pété hyper long. Aïe. Voilà où. Ah oui. Faut bien que je l'améliore aussi ce lance-roquette. Faut que j'y pense. Tiens, y'a de l'autre côté cette porte. On y rentre, Curly. Y'a quoi? Endroit sombre. C'est tout. On est toujours au labyrinthe? Non, on est dans ce qu'on appelle un endroit sombre. On peut pas passer par là, il va falloir continuer tout droit. Curly, tu vas où? Non, j'ai pas peur. Quand c'est marqué endroit sombre, c'est pas bon. Curly! Bon, tant pis. Puis sauvegarder. Je sauvegarde. Voilà, c'est parti. Le noyau. Ah. Étrange endroit, hein. Je me demande si c'était une base. Et moi, je me demande où ce qu'on est. D'ailleurs, il y a un PC là. Et si c'était le truc pour flotter dans les airs? Oh yeah! J'ai trouvé le secret de cette île. Et ce que je peux faire, je vais la détruire. Pour justement tuer le docteur en même temps. N'est-ce pas facile? Non, ce serait trop facile justement. Curly, tu vas où? Curly, tu m'attends. Et voilà. Anomalie détectée à la porte numéro... What? C'est quoi la porte numéro? Non, Curly! Cette porte est à moitié ouverte. Un truc doit être coincé dedans. En tout cas, j'arrive à passer moi. D'accord. Alors il va falloir passer dans l'eau, il n'y a pas le choix. Sauf qu'il y a un problème. Ouais. Il y a même un gros problème. Comment on passe ? Un truc, j'ai peut-être oublié quelque chose quelque part. En tout
tout cas, ça me semble pas normal, cette Pokémon. Alors qu'allons-nous faire? On va retourner au point de départ. D'abord, je vais sauvegarder parce que je suis un maniaque de la sauvegarde. J'ai sauvegardé, oui. J'ai sauvegardé. Donc, porte numéro 4. C'est vrai que c'est étrange l'endroit que je viens de trouver là. Bon, enfin, bref. Retournons dans ce labyrinthe M. Je vois pas pourquoi ça flotte dans l'eau. Pourquoi ça continue à flotter dans l'eau. À mon avis, je suis pas sûr qu'il faut repasser par la caisse des portes. Mais... un truc que j'aurais peut-être oublié. Eh mais j'y pense! J'ai toujours le jus de Médus sur moi! On va voir ce que ça fait. Peut-être que ça débloque la porte. Bon, on sait jamais. On sait jamais. Donc, que porte ouvre-toi? On sait jamais, on sait jamais. Bon! Alors, ouvrons cet endroit. La bombe. Toujours sur... Moi j'ai toujours un peu dessus de survie. C'est incroyable ça. Toujours la clé d'Arthur, une clé rouvrier, une clé d'homme, je sais pas sa clé, une clé de la aussi. Bon bah bah bah. Testons son efficacité. D'abord, on va d'abord peut-être GPS, il va peut-être nous donner des indications. Il est étincellement le tour. Non. C'est donc pas ça. Alors, qu'est-ce qui pourrait bien flotter ? Hey ! Ça se casse ! Tu entends quelque chose ? Oui. J'entends que ça s'est ouvert. Voilà ! Et maintenant, tout le monde passe. C'était pas compliqué. Moi qui faisais tout. Porte sur porte. Tout c'est sécurité. Je me demande ce qu'il y a ici. Bah toi, si, je me demande aussi. Je me demande s'il n'y a pas moyen, par hasard, d'aller voir avec ce PC. Est-ce que ça a ouvert? C'est pas ouvert. Il y a bien un moyen de... Non, sérieux, vous êtes sérieux? Toi, le PC, tu peux dire quelque chose? Descendre, on cherche. Avance. Mais quoi? Et c'est maintenant que je découvre le truc? Bon. D'accord. D'accord, alors cette fois-ci, c'est bien. Ça fait du bien de retourner à l'air. Au rire évacuation. En espérant que c'est cette porte. Yeah, c'est cette porte. Et est-ce qu'il y a un truc qui se fait par hasard? Évacuation. Oh, c'est pas évident de rester sous l'eau, hein. Curly. Attends-moi, Curly. D'ailleurs, elle a pas bougé, je crois. Si, elle a bougé. Tu peux pas maintenant, Curly. Où est-ce qu'on est? Oh, t'es mort partout. Si j'étais toi, je ferais pas ça, Curly. C'est pas bon, ça. Un robot cassé. Il est sévèrement en dommage. Non, non, Curly, c'est pas bon. Regarde, un soldat de la surface. Il est tout cassé. J'aime pas ça. Il y en a d'autres comme ça. Qu'est-ce qu'il y a pu? Pas un Inuga, non?
Il vit encore. Équipe 9 annihilée. Échec de destruction de la cible. Force employée insuffisante. Retraite. Retraite. Ça veut dire quoi ça? Wow. Qu'est-ce que c'est que ce... Ah, oh mon dieu! Qu'est-ce ça? Quoi? Oh mon dieu! Aïe! Mais vous êtes quoi? Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Quoi? Ah! Et en plus, j'ai même pas augmenté ma mitraillette au niveau 3. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce délire? C'est ça le... Non. Oh non! Ah vous. Je suis en train de mourir dans l'eau! Oh, ok. Ok. Un point faible, il faut qu'on trouve un point faible. Eh mec! Non, sérieux! C'est quoi ce truc? Ah d'accord, j'ai compris. Alors dès qu'il ouvre ses yeux, faut l'attaquer. C'est ça? Je crois. Par contre, je... Ah! De l'air! Oh! Non, je vais finir noyé! Oh. Oh. De l'air. Purée. Oh, c'est quoi ce truc? Mais il est gigantesque. Non mais attendez, vous voulez que je parte un truc pareil, moi? Non mais attendez, il est gigantesque. Vous avez vu la taille de ce truc? Non. Mais non, je veux pas tomber, moi. Oh. Les gars, j'ai pas demandé à tomber. À ce que je sache. Oh misère. Allez, on attaque. Il y a les yeux ouverts. Ah. Ce boss est un bâtard. Pas étonnant, vous avez vu ce qu'il veut. Oh, pour l'instant, je ne perds aucun vice. C'est peut-être pas si un mauvais boss qu'il veut. C'est peut-être si nul. Curly, tu veux pas l'attaquer à ma place, hein? Elle fait que ça de toute façon. Oh. Après tout, c'est peut-être Balrog qui nous a tout... qui s'est encore transformé ou un truc parce que quelqu'un a su qu'il a joué. Aïe. Ok. Il balance de l'air apparemment. C'est intéressant. C'est fort intéressant. Life, allez quoi, ouvre tes yeux. Voilà ce que je veux voir. Tes yeux. Oh, j'ai ça refermé. Ça va être du combat épique sur bande de PGM. Oh yeah. Ça va être bien ça. Vous avez bien fait de vous abonner, les amis. Regardez ce qu'il y a. Du combat, tout ce qui est épique sur Kefferi. Oh yeah, on a réussi. Et c'était quoi exactement?